nous sommes tous des transhumanistes, en ceci que nous sommes plus grands qu'il y a un siècle, nous vivons beaucoup plus longtemps qu'il y a un siècle, beaucoup d'entre nous sont vaccinés et donc ont leur corps transformé pour résister aux maladies. Et donc c'est une très vieille tendance de l'humanité d'essayer de faire en sorte que l'on protège le corps, voire même qu'on l'améliore. Ceci est devenu désormais une idéologie qui est soutenue par les transhumanistes et j'ai confié l'organisation de cette table ronde à Marc Roux, qui est président de l'association française transhumaniste Technoprog. Marc, tu as la parole. Merci infiniment, merci à Israël Nizan, merci à son ouverture que j'admire toujours, car ses points de vue ne sont pas exactement ceux d'un transhumaniste, mais pourtant il confirme année après année son attachement au dialogue. Et voilà, c'est grâce à ce type de démarche, je pense que on peut davantage comprendre qu'est-ce que c'est que le transhumanisme, dans le cadre d'un débat qui soit véritablement réel. Donc merci à vous. Dans la présentation qui a été faite, pas tellement maintenant, mais dans la présentation écrite qui a été faite du forum cette année à propos de cette idée d'une amélioration par les modes de procréation, par exemple ce que l'on voyait hier soir encore à travers le film d'Andrew Niccol, Gattaca, auquel nous avions été invités à assister, à travers les quelques prises de parole que vous avez pu entendre hier ou avant-hier, il est encore souvent dit, me semble-t-il, que les perspectives d'utiliser ces nouveaux modes de procréation à des fins franchement transhumanistes, eh bien, c'est plutôt, comment dire, problématique si éviter la transmission d'une maladie héréditaire, par exemple, paraît une bonne raison, chercher à améliorer des performances serait plutôt une au moins moins bonne raison. Un point de vue en effet, assez unanimement partagé par ceux qui se réclament d'une pensée transhumaniste, c'est de dire qu'il peut y avoir de bonnes raisons, et peut-être même qu'il faut inventer, il faut réfléchir à ce que pourraient être de bonnes raisons. C'est peut-être d'ailleurs la meilleure manière d'éviter les moins bonnes. Après tout, cette biologie dont nous sommes nous avons hérité, elle n'a rien de strictement parfaite. Elle est simplement le résultat d'une très longue évolution de type darwinien. Or, il est sans doute bien difficile de la réorienter, d'essayer de la réorienter, déjà même ne serait-ce que de la soigner quand elle ne va pas bien, une fois qu'on est adulte, une fois qu'on a même commencé à grandir. Et une interrogation qui peut se poser, c'est savoir est-ce qu'il ne serait pas intéressant de commencer à chercher à l'orienter, la réorienter à un stade plus précoce, donc par exemple donner la possibilité d'un plus vaste choix, d'abord aux parents, donc au moment où il est question de concevoir, d'envisager une production ou une reproduction. Par ailleurs, le fait est que jusqu'à ce jour, les femmes sont les seules à pouvoir engendrer naturellement. Et il y a des conséquences sociales, politiques, évidemment. Depuis la plus haute antiquité, on peut dire que dans bien des cas, eh bien, elles se sont retrouvées dans une situation de subordination au pouvoir des hommes. La question qui en découle peut-être, savoir si les nouveaux modes d'engendrement ne pourraient pas laisser entrevoir des voies possibles pour une libération de ces déterminismes-là aussi, une libération qui serait plus complète et pour les deux genres. Alors, pour essayer de réfléchir avec vous à ces questions, et donc après que le professeur Nizan nous ait demandé d'organiser cette table ronde, moi-même et puis l'ensemble des responsables de l'association, nous avons réfléchi à l'idée que voilà, le travail de toute manière allait être fait et a commencé à être fait ces jours-ci par les médecins, par les biologistes, pour vous en dire davantage de là où nous en sommes à propos de ces nouveaux modes de production ou de reproduction.
et que ce qui était plus important en tant que transhumaniste ou pour parler du transhumanisme, c'était donc de donner la parole davantage à des personnes qui sont des penseurs ou qui étudient donc la réflexion transhumaniste. Alors c'est la raison pour laquelle, pour ce faire, nous avons invité tout d'abord, qui est à ma droite, Peggy Sastre, qui est journaliste scientifique, qui se réclame dans une certaine forme de transhumaniste. Il faut, je pense, pouvoir le rappeler qu'elle est, par en France, l'une de celles qui, le plus tôt, a commencé à écrire et à réfléchir ces perspectives-là, dès le début des années 2000. Et elle me disait récemment qu'aujourd'hui, elle se reconnaissait tout à fait dans la pensée qu'on appelle techno-progressiste. On en reparlera. Je précise que, dans l'ensemble de sa réflexion, Peggy Sastre a notamment écrit et fait publier un ouvrage qui s'appelle Ex Utero. Et donc, ça vous donne une petite idée, rien que le titre, de vers quoi cela porte. En gros, évidemment, elle nous amène à réfléchir à l'intérêt ou aux intérêts possibles de ce que serait un utérus artificiel. Nous y reviendrons. Nous avons également avec nous Cécilia Calleros, qui est sociologue, doctorante à l'École des hautes études en sciences sociales. Sa thèse porte sur le transhumanisme, donc elle a un regard extérieur sur ces questions. Plus particulièrement, donc elle s'intéresse aux espoirs et aux attentes que développent les transhumanistes envers les sciences et les techniques. Et elle suit de près l'Association française transhumaniste depuis plusieurs années, donc nous lui avons ouvert nos portes de manière à ce qu'elle puisse comprendre le plus exactement possible qu'est-ce qui s'y passe. Donc c'est vrai de l'AFT, puis elle suit différents groupes évidemment de transhumanisme dans le monde. Nous avons également demandé être présent à Armand Ngaketcha, qui est doctorant à l'Université libre de Bruxelles ainsi qu'à Douala au Cameroun. Son doctorat porte spécifiquement sur les conséquences que peuvent avoir les perspectives dont nous allons parler, et notamment en Afrique subsaharienne. Je pense qu'il sera intéressant d'écouter cet éclairage. Et enfin, donc également présent avec nous, Gauthier Kin, qui est ingénieur en informatique. Il est responsable de l'Association française transhumaniste technoprogramme en Alsace. Et Gauthier, tu nous serviras en quelque sorte, je dirais, de transhumanisme candide, si je puis dire, sur ces questions, dans la mesure où ni les questions de féminisme, ni celles relatives directement à la PMA, par exemple à l'ectogénèse, sont ta spécialité première, mais en tant que transhumaniste, tout simplement, tu as une réflexion sur ces questions, et donc ça nous intéressera aussi d'avoir ton point de vue sous cet angle-là. Voilà, je n'en fais pas plus longue, je donne maintenant la parole à nos invités pour un premier tour de table. Peggy, que signifie pour toi les possibilités ouvertes par les avancées des biotechnologies en matière de procréation? Quels avantages, quels inconvénients est-ce que tu penses voir dans la possibilité de passer d'une reproduction éventuellement à une production? Eh bien, merci Marc pour cette présentation. Je voudrais remercier aussi le professeur Israël Nizan de cette invitation. Et puisque nous sommes aujourd'hui dans un forum de bioéthique, j'aimerais en fait d'emblée me placer sous le patronage fictif d'un grand penseur de la bioéthique du XXe siècle qui s'appelait Jean-Paul II et qui disait « n'ayez pas peur ». Donc c'est pour ça que j'aimerais vous dire « n'ayez pas peur de l'intelligence artificielle » parce que ce que j'ai remarqué depuis maintenant presque 15 ans que je travaille sur cette question, c'est qu'à chaque fois qu'on mentionne le sujet, tout de suite c'est une peur très, très palpable, très forte de cette nouvelle technologie. Et en contraste, moi je me demande toujours pourquoi cette peur qui me paraît hyperbolique, qu'est-ce qui dérange autant dans l'ectogénèse? Donc déjà, premièrement, je trouve que en général sur les technologies et en particulier sur les technologies reproductives, on ne tire pas assez d'enseignements du passé. Dans le sens où à chaque fois, je pense que c'est depuis très longtemps, on nous promet l'apocalypse et l'apocalypse ne vient pas. On l'a eu avec la pilule, on l'a eu avec la pilule abortive. D'ailleurs là, j'aimerais faire une parenthèse et vous recommander un très bon documentaire sur le travail d'Étienne-Émile Beaulieu et la pilule abortive RE486 qui s'appelle « L'autre pilule, un combat pour les femmes ».
et surtout à une époque où on parle de violence obstétricale et de dépossession du corps des femmes par la médecine, ce documentaire remet assez bien les choses en perspective et qui montre, et montre au contraire que la médecine permet aux femmes de se libérer de leur corps, et là je cite le regretté Christopher Hitchens, et de leur existence de bête de somme à la reproduction obligatoirement compulsive. Et Hitchens remarque aussi que cette libération du corps des femmes et de l'obligation de reproduction est le seul remède connu aujourd'hui à la misère. Donc on a vu ça, donc l'apocalypse, on la promet avec la pilule abortive, on la promet aussi avec la fécondation in vitro. Sur des questions un peu parallèles, on la promet aussi avec le mariage gay, donc on la promet aussi avec la GPA, la PMA. Et souvent, enfin même tout le temps, ce qu'on remarque, c'est que ce qui sépare l'impensable du toléré, c'est tout simplement la frontière de la faisabilité. Et donc le jour où l'utérus artificiel sera totalement possible et sûr je pense que beaucoup de ces peurs se dissolveront d'elles-mêmes comme elles ont été dissoutes avec les autres avancées. Donc ensuite au niveau des avantages, eh bien il y a l'avantage immédiat est dans le sens où c'est là-dessus que les chercheurs actuels travaillent, c'est-à-dire c'est un intérêt médical, donc c'est pour aider les grands prématurés. Donc aujourd'hui, la dernière étude date de 2017 et on a vu cet effet sur des chèvres et contrairement aux autres études précédentes, les chevreaux ont été viables. Et là, à l'heure actuelle, le chevreau qui a été extrait de son exomatrice à plus d'un an de vie, il va en l'état actuel de nos connaissances très bien. Donc ça, c'est l'intérêt médical. Ensuite, il y a un intérêt qui est là pour le coup plus au centre de mes questionnements, qui est un intérêt sociétal qui consiste en fait à atténuer le fossé de l'investissement parental entre les hommes et les femmes. Donc ça, je vais pas vous faire l'article, mais en fait dès la forme de nos gamètes, la quantité minimale d'énergie pour se reproduire entre un homme et une femme est extrêmement déficitaire pour une femme, dans le sens où elle a beaucoup plus d'énergie et de temps et de risques, surtout à investir et à connaître pour se reproduire. En 2008, donc quand j'ai écrit Exutero, il y avait encore 500 000 femmes, donc un demi-million de femmes qui mouraient tous les ans dans le monde des suites de la grossesse. Aujourd'hui, c'est un des objectifs du millénaire de l'ONU, on en est à 250 000, 300 000. Donc les choses progressent relativement vite, mais pas encore assez, parce qu'il y a encore beaucoup trop de décès dans certains pays, surtout d'Afrique. En fait, la grossesse est un risque mortel supérieur à d'autres maladies qu'on médiatise plus, comme le sida par exemple. Donc voilà. Ensuite, on peut envisager dans l'utérus artificiel tout l'impact sociétal que déjà on observe sur la contraception. Et ça, c'est un argument de plus de ne pas avoir peur de l'utérus artificiel, parce qu'en fait, ce qu'on observe, donc en gros depuis les années 60, et ça s'est accéléré dans les années 80, c'est qu'en fait l'impact de la contraception sur les modes de vie n'est pas forcément révolutionnaire, dans le sens où ça change pas du tout, ça change peu, voire pas les stratégies naturelles entre guillemets des femmes, mais au contraire, ça multiplie les trajectoires de vie disponibles qui sont disponibles pour elles. Donc là encore une fois, il n'y a pas à avoir peur, dans le sens où ça va pas du tout. C'est très improbable, voire impossible, que l'utérus artificiel remplace complètement la procréation et la grossesse naturelle. Juste, ça va diversifier les choix offerts aux femmes. Et ça, je pense que relativement personne ne peut s'y opposer. Et ça, on retrouve. Enfin, c'est des chercheurs qui ont posé cette hypothèse, qui est un double complot de la biologie et de la société pour garder les femmes dans un stade
relativement subalterne, c'est-à-dire que à la fois donc la biologie avec la fenêtre reproductive des femmes qui, comme chacun sait, est relativement courte et le pic fertile est entre 20 et 30 ans, et le double complot là où la société arrive, c'est que c'était aussi à cette époque-là, aujourd'hui dans nos sociétés industrielles, etc., que si une femme veut faire carrière, c'est à ce moment-là qu'elle doit investir le plus de temps, d'énergie, etc. Donc il y a un conflit entre la reproduction et la carrière. Donc l'utérus artificiel pourrait diminuer ces pressions-là, parce que justement la fenêtre reproductive des femmes serait ouverte. Et donc là, j'aimerais rappeler une citation du grand biologiste Edward Osborne Wilson, qui a dit « La biologie nous tient en laisse ». Mais la comprendre et donc la techniciser, justement, dans une perspective donc transhumaniste ou technoprogressiste, ou tout simplement, comme l'a rappelé le professeur Israël Nizan, continuer ce que l'humanité fait depuis à peu près la nuit des temps. Donc la comprendre et la techniciser permet d'allonger cette laisse. Voilà, et ensuite, donc à peu près, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Et juste pour terminer, j'aimerais rappeler qu'il y avait une grande instance scientifique et consultative qui disait que les recherches dont la finalité serait la réalisation complète d'embryons et de fœtus in vitro, donc l'ectogénèse, n'ont aucun fondement scientifique. Donc ça, c'était un avis du Conseil constitutionnel, donc du CCNE, en 1986. Donc c'est bien la preuve que les choses avancent très vite. Merci. Merci beaucoup, Cécilia. Donc voilà déjà un premier éclairage, je pense, sur certaines perspectives, notamment liées à l'utérus artificiel. Je vais donner la parole à Armand Ngakecha. Armand, tu es un transhumaniste revendiqué. Tu es par ailleurs bioéthicien. Tu te réclames de tradition chrétienne. Ouais. Quel est ton point de vue général sur ces questions, et puis par ailleurs, quel éclairage donc est-ce que tu peux nous donner sur la manière dont ces problèmes peuvent faire écho ailleurs que dans les sociétés occidentales, et plus exactement en Afrique subsaharienne? Okay. Je te remercie, Marc, de m'associer à cette discussion, et je remercie également le professeur Nizan. Je suis très très je ne vais pas dire avis, mais je constate que le public est constitué à près de 80%, je peux me tromper, de la jeunesse. Et je veux commencer par signifier que le transhumanisme est peut-être l'idéologie de la jeunesse, dans tous les sens du mot jeunesse. Mon intervention va avoir deux aspects, donc je vais tenter de donner une hypothèse qui nous permet de justifier aujourd'hui que les procréations artificielles sont d'un fort optimisme ou seront d'un très fort optimisme au niveau du contexte africain. Et ensuite, je vais vous faire écouter une vidéo d'une amie qui se bat depuis beaucoup de temps pour qu'il y ait une forme de libéralisation du don d'ovocytes beaucoup plus dans le contexte africain. La question de la reproduction, la perception de la reproduction, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, reste la même. Cette perception reste la même. La reproduction naturelle est toujours paradigmatique, même si aujourd'hui on constate qu'en Afrique, il y a une forme de recrudescence d'officines de PMA. En Afrique du Sud, on en a, au Nigeria, en Tunisie, au Cameroun. Il y a un fort regain dans la construction, si vous voulez, si vous pouvez me passer l'expression, d'officines de PMA. On en a beaucoup qui apparaissent pratiquement chaque année. Le problème est peut-être lié aux aspects techniques, parce qu'effectivement, on peut quand même constater qu'il y a une forme de au niveau de ce qu'on peut appeler les aspects techniques, il n'y a pas trop une différence dans la pratique, dans les méthodologies, entre ce qui se fait au niveau de l'Europe et ce qui se fait en Afrique. Il y a des enfants qui naissent pratiquement chaque année via des techniques de PMA en Afrique. Au Cameroun, j'en connais un du 99 qui est né en 99 et qui a pratiquement 20-21 ans aujourd'hui. Il se porte super bien. Il n'a pas de problème. La technique est normalement maîtrisée, même s'il y a quelques soucis, mais la technique semble être maîtrisée.
Le problème avec l'Afrique se trouve au niveau des codes éthiques traditionnels. Ce n'est pas forcément la question de l'innovation de ces formes de procréation. Ce n'est pas ça qui pose un problème dans la société. C'est d'abord les codes éthiques qui sont traditionnellement admis. Parmi ces codes-là, il y a la perception de la femme. Autour de 1900, le rôle de la femme en général, pas simplement en Afrique, même en Europe et ailleurs, c'était de produire, entre guillemets, les enfants. Cette perception du rôle de la femme a sans doute évolué avec le temps, mais jusqu'ici, la valeur sociale de la femme en Afrique reste la capacité naturelle à produire, entre guillemets, des enfants. Cette idée est en train d'évoluer et on a l'impression que les femmes, les jeunes femmes africaines réclament la possibilité simplement d'avoir un enfant. On est passé de l'idée de la femme comme symbole, entre guillemets, de l'enfant, à l'idée de « nous voulons juste avoir un enfant ». Beaucoup de femmes africaines aujourd'hui veulent juste avoir un enfant. Et cette idée-là nous permet d'affirmer qu'il y a un fort optimisme dans les procréations médicalement assistées. Je vais vous prendre 4 arguments qui me permettent de justifier cela. Le premier argument, c'est celui du recours aux tradis praticiens. Alors, dans les familles africaines, en général dans les couples africains, lorsque vous êtes marié et qu'au bout d'un an ou de quelques mois, ça va parfois très vite en Afrique, au bout de quelques mois, si la femme ne parvient pas à faire un enfant ou avoir un enfant, le premier recours, c'est un tradit praticien. Un tradit praticien, c'est quoi? C'est ce que globalement, de manière négative, aussi on appelle les marabouts. En Afrique, ça peut se comprendre dans le contexte européen du Moyen-Âge comme de la sorcellerie, entre guillemets, parce que ça a parfois des mauvaises connotations, mais on a un recours qui est pratiquement, c'est-à-dire on a un recours qui n'est pas forcé, mais qui est automatique. C'est-à-dire une femme sur deux va faire recours à un tradit praticien dans la mesure où à un certain moment, elle n'arrive pas à produire, entre guillemets, ou à mettre un enfant au monde. Le deuxième argument qui nous pousse à croire qu'il y a cet optimisme-là du « je veux un enfant », c'est le recours au miracle religieux. Actuellement, vous prenez une ville comme Lagos, il y a pratiquement 10 000 églises réveillées, entre guillemets, ou églises de réveil. À Douala, il y a pratiquement 4 000. En Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a pratiquement 6 000. Et au Congo également, pratiquement 6 100. Donc, la majorité des femmes font recours aujourd'hui à ce qu'on peut appeler le miracle de la procréation. Elles vont vers les pasteurs pour avoir un bébé. Comme je vous dis, l'idée aujourd'hui, c'est « je veux un enfant ». Toutes les femmes, entre guillemets, en Afrique, veulent un enfant. À un certain âge, elles ont comme ce besoin d'obtenir un enfant. Il y a donc plusieurs recours. Le troisième argument que nous évoquons, c'est celui de la postérité de la filiation. Dans les familles africaines, il est nécessaire d'avoir un enfant mâle. Il est nécessaire. Parce que cela participe de la continuité de la filiation de la filiation familiale. On a besoin d'avoir un enfant, un garçon particulièrement. C'est pour ça que vous allez voir un couple qui a pratiquement 4 enfants. Aujourd'hui, la moyenne d'enfants par femme en Afrique reste encore largement au-dessus de 5,7%. Ce qui était en 1960, c'était autour de 6,5. La moyenne générale ou la moyenne mondiale, c'est 2,5 maintenant. Mais en réalité, on a besoin, il y a des familles qui vont avoir pratiquement 2, 3, 4, mais tant que ce sera des filles qui seront venues au monde, on aura besoin toujours de faire encore un enfant parce qu'on espère avoir un mâle. Vous allez vous retrouver donc avec des familles où on a pratiquement 8 enfants, 10 enfants. Tant qu'on n'a pas le mâle, on ne s'y arrêtera pas. Le dernier argument est celui de... c'est un argument socio-économique qui assimile l'enfant à la richesse. Plus on a d'enfants dans certaines familles, quand je prends l'exemple du Cameroun, qui est mon pays d'origine, et une région comme celle de l'Ouest, il y a une anecdote sur ce peuple-là. On dit au Cameroun que les peuples de l'Ouest sont les Juifs d'Afrique. Je ne sais pas trop pourquoi cela est dit, mais dans ces peuples-là, l'enfant est symbole de richesse. Plus vous produirez d'enfants, mieux la famille sera considérée comme une famille riche et notable. Voilà quelques arguments qui nous poussent à croire que, quoi qu'il en soit,
la majorité des personnes ou des jeunes femmes ou des familles dans des pays d'Afrique subsaharienne vont faire recours à des procréations médicalement assistées ou à des procréations artificielles parce que l'impératif sera « je veux un enfant ». Je vous invite maintenant à suivre la vidéo de santé dont je vous ai parlé au départ et après, sans doute dans les échanges, on pourra approfondir quelques éléments. Bonjour, c'est mon site Ma Fille Étoilée. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et bonne année 2018 à tous. Je suis Mademoiselle Sandrine Gatsou, j'ai découvert mon infertilité en 2014. En 2015, juste à la fin de la formation théorique de mon projet de reconversion professionnelle, j'ai réouvert mon dossier médical. Le bilan était univoque pour les 5 spécialistes rencontrés, 4 spécialistes de PMA en France et 1 spécialiste de PMA en Belgique. Le bilan, réorientation vers le don d'ovocytes. Je me suis inscrite en 2015 au SECO de Schittigheim en Alsace. La problématique du phénotype noir a été évoquée en ce qui concerne la donneuse. La durée d'attente est de 8 années minimum pour un phénotype noir en métropole. Bien qu'il existe 2 SECOS dans les DOM-TOM, 1 SECOS en Guadeloupe et 1 SECOS à La Réunion, la durée d'attente minimum est de 4 années pour un phénotype noir et de 18 mois pour un phénotype caucasien. Exemple de chiffre en 2015 en Guadeloupe, 63 couples étant en attente de dons de sperme. Il y a eu 15 donneurs entre 2006 et 2015 et uniquement 4 qui ont été retenus. Et 150 couples sont en attente d'un don d'ovocytes. J'ai donc décidé de parler ouvertement de mon infertilité en créant la chaîne et la page Facebook Ovocyte-moi. Et ensuite, à aller à la rencontre des personnes en Île-de-France pour parler de l'infertilité et du don de gamètes, notamment, et en accent sur la communauté noire, pour vraiment agir sur cette durée d'attente qui est longue. De nombreuses pistes se posent pour réduire ces listes d'attente. La remise en cause de la gratuité en apportant une compensation financière aux donneuses en raison de la contrainte du don. La réorganisation de la prise en charge des donneuses pour le rendre moins contraignant via une facilitation des déplacements ou de la garde d'enfants en incluant un prestataire de service sans qu'elles ont besoin d'avancer de l'argent. Travailler avec les banques d'ovocytes africaines à l'étranger pour faire face à ces listes d'attente importantes. Communiquer auprès de la communauté noire via leurs médias, si c'est la responsabilité de l'agent de médecine pour ce qui est du rôle étatique. Briser le tabou et le silence qui entourent l'infertilité. Il faudrait plus de personnes comme moi qui puissent parler ouvertement de leur infertilité, aller à la rencontre des personnes, en associant également le personnel médical pour les aider dans ces tâches difficiles, notamment en déposant des brochures dans les cabinets médicaux et en faisant des stands, notamment dans des festivals, pour parler du don de gamètes. Permettre la prise en charge de la FIV à l'étranger pour les femmes noires qui souhaitent le faire en Afrique ou dans les Caraïbes, une prise en charge par la Sécurité sociale française, comme cette possibilité est offerte pour les femmes caucasiennes, notamment en Espagne, au Portugal, en République tchèque, en invoquant pour les femmes africaines de la communauté noire le principe de la rareté. La femme noire doit avoir la possibilité du choix du phénotype, comme le fait aisément la femme caucasienne, tout simplement en réduisant les contraintes qui sont les siennes. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que pour moi, ça devait être un prétexte pour permettre à l'auditoire, parce que ce qui m'intéresse le plus généralement, c'est l'échange avec le public, parce que ça permet d'avoir des questions qui sont un peu plus précises. La vidéo, Sandrine est dans la salle, elle pourra peut-être dire quelque chose après, je ne sais pas si elle prend la parole. Mais la vidéo invite simplement les femmes africaines à faire recours aux dons d'ovocytes. Voilà, c'est pratiquement le message. Il y a beaucoup, c'est vrai que le taux d'infertilité en Afrique subsaharienne est le plus élevé dans le monde, c'est pratiquement 15 à 30%. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes africaines qui sont frappées par des problèmes d'infertilité, mais on a des problèmes de dons parce que
beaucoup ne sont pas informés, beaucoup ne savent pas, et c'est très très mal perçu également parfois dans nos sociétés. Donc elle se bat pour que les femmes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, puissent à un certain moment faire des recours, faire des dons de vos sites. Elle pourra en dire plus parce qu'elle est dans la salle. Merci. Juste un mot peut-être, Armand, pour conclure sur ta première prise de parole. Comment est-ce que tu fais le lien avec cette démarche-là et les questions que tu viens de mettre en avant et la problématique transhumaniste? Parce qu'on pourrait dire, mais ces questions-là ne relèvent pas particulièrement du transhumanisme. Est-ce que tu peux nous donner au moins un exemple? Un exemple? Que j'en ai tout de suite. Enfin, par exemple, je pense dans la vidéo, Sandrine met en avant le fait que quand une femme, par exemple africaine, cherche un nouveau site, elle va avoir bien plus de facilité à trouver, son expression, c'est un nouveau site de type caucasien. Ouais. Et donc elle n'a pas finalement le choix, parce que tout simplement, il y a très très peu de dons actuellement de vos sites de femmes africaines. Mmh. Et que donc, enfin, du coup, une perspective, ça n'est pas ce que dit Sandrine, ça. Mmh. Mais ce que les transhumanistes peuvent dire, c'est que il pourrait y avoir, comment dire, une question simplement de liberté d'accès à un choix, en donnant la possibilité de choisir, de, comment dire, par des techniques, donc dans la mesure où ce serait possible. Que ce soit sur le type, par exemple, simplement, même si c'est juste une question de couleur de peau. Est-ce que... le problème, en fait, on va rattacher ça à la question de l'eugénisme qui n'est pas très, très bien perçue. Mais en réalité, il faut qu'on se le dise. En certains moments, on aura besoin de faire un choix. Voilà. En certains moments, les femmes auront besoin de faire le choix sur le type de phénotype qu'elles requièrent. Actuellement, elle a peut-être des soucis parce qu'effectivement, il y a très peu de femmes africaines qui font des dons de vos sites. Mais à un moment, il y a d'autres femmes qui sont confrontées au problème du choix effectivement du phénotype qu'elle aimerait. Elle me racontait d'ailleurs une histoire que je vais rapidement vous dire très 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 rapidement. Et elle était confrontée à une femme qui lui a expliqué une situation. C'est une Européenne, donc un peu comme beaucoup de personnes ici. Et elle a précédemment eu des enfants avec un Africain, je pense, et donc elle a fait des enfants métis, mais et puis elle s'est séparée de ce monsieur-là, et elle a donc ensuite eu un second mariage avec un Européen, toujours, c'est un Français aussi, je sais pas, et par la suite, elle aurait voulu que ses enfants, puisqu'elle a des enfants métis, et son nouveau mari, en fait, il est azoospermique, donc il est fertile. Mais elle aurait quand même voulu maintenir une certaine apparence en termes, donc une apparence phénotypale de ses enfants précédents avec le nouveau. Donc elle a fait recours auprès du SECOS pour obtenir un nouveau site de type phénotype noir, pour qu'effectivement ses enfants, qu'il y ait certaines régularités avec ses enfants précédents. Mais cela lui a été refusé. Pourquoi? Pourquoi? Moi, j'aimerais simplement qu'on discute. C'est des choses sur lesquelles je ne veux pas me prononcer, mais il y en a beaucoup. Hein. On ne peut pas tout dire juste en espace de quelques minutes, mais il y a beaucoup de questions qui se posent. Et moi, j'aimerais plutôt qu'on discute ensemble et voilà, qu'on puisse approfondir ensemble. Merci Armand, donc un éclairage supplémentaire. Je passe la parole maintenant à Gauthier Kin. Gauthier, donc tu suis, tu écoutes ces interrogations, tous ces débats qui ont lieu dans le cadre de l'association ou ailleurs, et puis donc peut-être avec ton recul à toi en tant que militant donc d'une association techno-progressiste, j'insiste. Quelles sont tes impressions, tes interprétations de ce que tu viens d'entendre et de ce que tu as entendu par ailleurs? Oui, merci. Donc déjà, je tiens à remercier la confiance qui a été donnée en quelque sorte à l'AFT Technoprog pour essayer de mettre en place un débat avec peut-être un peu plus d'espoir et un peu moins de catastrophisme ou de pessimisme par rapport à l'espèce humaine. Alors, quand on parle de la reproduction, on voit bien que c'est, en réalité, on l'a vu ces deux derniers jours, c'est un processus qui est très complexe. C'est un mécanisme extraordinairement sophistiqué. En réalité, c'est une technologie issue de l'évolution, bien sûr, pas de la main de l'homme, mais c'est une technologie qui est donc très complexe. Et je voulais commencer avec cette phrase d'Arthur Clarke qui disait « Toute technologie ainsi avancée est indissociable de la magie. » Aujourd'hui, on est dans un point de notre société, de notre civilisation, qui me semble très intéressant parce qu'on est en train de comprendre que nous sommes, nous, et la reproduction l'est aussi, une technologie
à étudier et une technologie en même temps à respecter, à protéger. Et alors, quand on parle de comprendre, ou pire, de modifier la reproduction, on voit que ça va poser beaucoup de soucis, ça dérange tout de suite, ça gêne, ça dégoûte, ça pose des problèmes à notre société. Et si on voit notre société d'un point de vue évolutif, on peut très bien le comprendre. Nous ne sommes finalement que le résultat de 4,5 milliards d'années d'évolution. Et tous ces organismes qui nous ont précédés, on est sûr qu'ils ont réussi une chose dans leur vie, c'est se reproduire. Nous en sommes le résultat. Et aujourd'hui, la société a une vision, surtout en Europe, une vision très fixiste de ce qu'est l'humanité. Une vision avec des cases très précises. Il y a l'homme, il y a ce qui n'est pas homme, il y a la vie, il y a ce qui n'est pas la vie. Et il y a une limite qui est bien faite dans notre tête, dans notre petite case. Aujourd'hui, la science, la biologie notamment, nous apprend que ces limites sont en réalité totalement floues. Typiquement, entre la vie et ce qui est inerte, la limite est très floue en biologie. Il y a l'exemple donc des bactéries qui nous montrent très bien. On avance dans ces connaissances-là grâce à la science, et elle nous apprend beaucoup sur nous-mêmes en réalité. Voilà, il faut accepter, pour moi, notre société, notre civilisation doit accepter que les choses changent, que l'éthique évolue, que la morale évolue. Alors, il ne faut pas que ça avance trop vite non plus. Il faut réfléchir, il faut avoir des arguments, mais c'est quelque chose qu'on doit accepter. Nos enfants n'auront pas la même éthique que nous, ils ne naîtront pas pareil que nous. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Il faut aussi voir notre histoire, parce que il y a seulement 12 000 ans, c'est quelque chose, c'est vraiment pas beaucoup 12 000 ans. Nous étions tous des chasseurs-cueilleurs. Ce que nous avons tout autour de nous est totalement artificiel pour nous. Nous ne sommes en réalité pas du tout adaptés au monde que nous nous sommes créés autour de nous. Je vais prendre deux exemples très rapides. Les dents de sagesse, aujourd'hui, dans notre société, avec une hygiène dentaire importante, ça n'a plus d'utilité concrète. Et donc, c'est génétique, effectivement. Autre exemple un peu plus compliqué, la psychologie des personnes est aussi très influencée par l'évolution. Là-dessus, je vous conseille de regarder un peu ce qu'on sait des biais cognitifs. Il y en a à peu près 200, peut-être 300 qui ont été très bien ciblés. Et ces biais cognitifs, ça défend en fait notre vision de la réalité dans le but de maximiser notre production. C'est vraiment leur but et ils sont bénéfiques à nos propres gènes, mais ils sont néfastes quand on pense plus global, quand on pense à l'avenir de l'humanité, à l'avenir de l'espèce Homo sapiens. Alors continuons, je vais être assez rapide, ne vous inquiétez pas. Je vais vous parler de deux romans qui me paraissent très intéressants. Déjà, Le meilleur des mondes, qui, la photo n'est pas là, mais où il y a on voit les petits bébés qui sont fabriqués. Le meilleur des mondes, c'est vraiment cette idée-là dans la tête de beaucoup de personnes. C'est un roman qui est très anti-transhumaniste, presque. En réalité, quand on regarde vraiment le message qui est sous-tendu, ce que ça dit, c'est qu'il faudra toujours lutter contre nos pulsions, notre fainéantise innée d'Homo sapiens, lutter contre ça pour refuser le confort. En réalité, le message de fond, c'est que la liberté de notre liberté, la liberté d'humain, elle doit refuser le confort et la facilité que pourrait nous amener la technologie. Et là-dessus, c'est important de le rappeler, le transhumanisme n'a jamais dit qu'il va résoudre tous les problèmes du monde. C'est à nous, humanité, de réfléchir à ces questions, et la technologie n'est pas là pour résoudre tous ces problèmes. Alors, en plus, j'ai parlé d'un autre roman qui n'est pas exactement transhumaniste, c'est 1984 d'Orwell. Je le trouve très intéressant parce qu'en fait, la société de 1984 a choisi l'immobilisme total de sa morale et de son éthique. Je trouve ça très intéressant et on voit où ça amène. Ça amène à un certain totalitarisme, une privation de liberté qui est très importante. Et même si c'est bien sûr quelque chose de... Ça ne peut pas arriver aujourd'hui, demain, comme ça, du jour au lendemain. C'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Il faut accepter que notre morale, que notre éthique évolue. Il faut accepter que nos enfants n'aient pas la même base éthique que nous. Car en vrai, bon, je vais vous donner un exemple plus précis.
Effectivement, l'éthique évolue. Par exemple, si on prend l'esclavage, aujourd'hui, la société estime qu'effectivement, c'est quelque chose de grave qui est dans notre histoire. C'est quelque chose qui était inhumain, c'est quelque chose qui était terrible et qui est honteux pour nos ancêtres. Peut-être que demain, je donne un exemple comme ça, l'exploitation animale sera vue de la même façon, comme quelque chose qui relève d'une folie de nos ancêtres, enfin, de nous aujourd'hui. Mais il faut garder ça en tête. Notre morale va évoluer, c'est obligatoire. Là-dessus, je terminerai finalement, ce sera plutôt court, je pense. Je terminerai sur un dernier point. Quand on regarde la vie dans son histoire, donc les 4,5 milliards d'années qui nous précèdent, on voit qu'il y a eu 5 grandes extinctions dans l'histoire de la vie. Je pense que l'Homo sapiens ne doit pas être certain qu'il ne fera pas partie de la 6e. Et le transhumanisme, pour moi, lutte dans cette idée et il appuie sur l'importance de diversifier l'espèce humaine. Et quand on veut justement la survie de l'humanité que nous sommes, je pense que diversifier l'espèce humaine devient très logiquement un impératif moral même. D'où l'importance des techniques, de la possibilité d'intervenir par de nouveaux modes de procréation. Oui, voilà. Notre conscience, je pense, peut prendre en main notre évolution et nous permettre d'avancer vers autre chose, nous permettre de passer de la sélection qui est totalement inhumaine en quelque sorte, qui est amorale, qui est aveugle, à une réelle volonté d'aller vers autre chose, quelque chose de peut-être plus juste, qui protégera mieux l'espèce humaine demain. Pour terminer, je disais, je vais juste parler d'Elon Musk. Je ne sais pas, ceux qui sont passionnés par tout ce qu'il fait actuellement avec SpaceX le sauront peut-être, mais Elon Musk, il a une volonté totalement sur laquelle il ne tergiverse pas. Son but, c'est de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et donc, pour faire ça, ce qu'il souhaite, c'est avoir une première civilisation martienne vers 2026. Alors, aujourd'hui, on sait que ce sera sûrement plus vers 2030-2035, mais au vu de ce qu'il a réussi à faire aujourd'hui, et je vous conseille d'aller voir ce que fait SpaceX aujourd'hui, c'est quelque chose de fou qui était totalement inimaginable il y a 5 ans. Aujourd'hui, on sait que coloniser Mars n'est pas une folie et que c'est sûrement, très certainement, la prochaine étape, la grande étape de notre civilisation. La gravité étant plus faible, je termine juste, la gravité étant plus faible, la santé va en pâtir et la procréation sera quasiment impossible. Et donc pour cette dernière phrase, je dirais ils vont devoir s'adapter et ce sera leur écologie humaine à eux. Ils n'en seront pas moins humains, ils n'en seront pas moins entiers, pas moins libres, pas moins épanouis. Ils vont devoir changer et je pense que c'est très bien. On essaie de revenir là-dessus pour voir comment est-ce que les différents modes de procréation peuvent avoir une influence. Je passe pour terminer la parole à Cécilia Calleros. Cécilia, tu regardes ça avec un certain recul. Est-ce que tu peux nous dire, donc, avec ce regard que tu portes, comment est-ce que tu comprends les idées que ce mouvement porte, et donc plus particulièrement relativement à l'engendrement des humains à venir ? Comment tu vois tout ça ? Bien. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à te remercier, Marc, pour cette invitation, ainsi que professeur Israël Nézan pour avoir fait confiance pour ce panel. Bon, les utérus artificiels restent quelque chose d'extrêmement spéculatif à ce jour. On ne sait rien des formes qu'ils pourraient prendre. Et en tant que sociologue, je m'intéresse au présent et non pas au futur. Et de ce fait, je m'interroge plutôt sur la signification de ce désir d'utérus artificiel, notamment chez les transhumanistes, mais aussi je m'intéresse à ces débats autour des utérus artificiels. On peut difficilement aujourd'hui parler de demande sociale à ce stade en termes d'utérus artificiel, mais des débats existent déjà autour des bienfaits potentiels, mais aussi des risques. Les potentiels bénéfices des utérus artificiels seraient notamment de proposer un choix supplémentaire en matière de technologie de la reproduction,
pour des personnes qui seraient par exemple contre la GPA, pour ceux qui ne voudraient pas adopter, etc. Ça permettrait également d'être une alternative à la grossesse biologique pour celles qui ne le souhaiteraient pas, pour celles pour qui la grossesse constituerait un risque biologique et psychologique. Et c'est également une ouverture à la parentalité pour tous, c'est-à-dire les couples homosexuels, les personnes célibataires, tout comme le permet la GPA et l'adoption, et de ce fait devrait s'inscrire dans cette filiation, en tout cas de repenser la filiation qui serait déconnectée de la biologie. Les débats existants autour des utérus artificiels mettent en tension deux éléments qui sont intéressants aussi à analyser aujourd'hui et qui révèlent beaucoup de choses. D'une part, ça suscite des promesses d'autonomisation de la gestation, et en même temps, on a des débats qui sont contre, des arguments qui sont contre et qui mettent l'accent sur les risques d'intensification de la soumission au marché biomédical. Chez les transhumanistes, on l'a compris, ils sont clairement favorables aux utérus artificiels. Et leur objectif premier est à terme de prendre en main leur évolution, l'évolution de l'humain, afin de devenir immortel ou sinon de pouvoir vivre très longtemps. On est dans ce cas précis, dans cette volonté première du transhumanisme, plutôt dans le cadre d'une volonté d'autoproduction plutôt que de reproduction. Néanmoins, dans leur engouement pour les utérus artificiels, apparaît quatre arguments qu'ils soutiennent. D'une part, un meilleur contrôle du développement du fœtus, ce qui implique la possibilité de sélectionner les caractéristiques de l'enfant à naître, ce qui a déjà été plus ou moins évoqué par ailleurs. Ensuite, de pouvoir faire des enfants indépendamment de son âge dans un contexte qui serait celui d'une longévité accrue, non plus faire des enfants aux alentours de 30 ans comme c'est le cas aujourd'hui, mais peut-être plus tard. Contrôler le nombre des naissances dans un contexte qui serait celui de l'immortalité et qui pose la question de la surpopulation. Et enfin, un dernier argument qui a déjà été évoqué par Peggy tout à l'heure, qui est celui de la grossesse comme une source d'oppression, de contraintes physiques, voire de risques de mortalité, et comme source de discrimination. L'émancipation de cette étape serait, pour les transhumanistes, une source de libération pour les femmes. On évoque son potentiel égalitaire, et une femme transhumaniste, à ce sujet, disait, je la cite, « De la même manière que les longétivistes en appellent à la mort de la mort, appelons-en à une renaissance de la naissance pour en finir avec la barbarie biologique. » Donc vous voyez bien dans quel type de registre on se trouve. Finalement, quand je regarde les arguments transhumanistes, il y a deux grands types d'arguments qui ressortent. D'une part, celui de l'augmentation des capacités humaines pour une reproduction qui est contrôlée en type et en nombre, et la libération du fardeau que seraient les grossesses et les accouchements. J'ajouterais aussi que ces discours sont plutôt orientés vers la possibilité technique à venir que sur les conditions souhaitables dans lesquelles elles devraient apparaître les utérus artificiels. Maintenant, du côté des contradicteurs des utérus artificiels, j'y viendrai très rapidement, on voit plutôt la grossesse comme une source de pouvoir des femmes. Donc on est dans des représentations qui sont complètement différentes. L'utérus artificiel est ici pensé comme le paroxysme de l'introduction des technosciences dans la grossesse et la naissance. Et on est dans un contexte où, si la prise en charge de la grossesse et de la naissance par la médecine s'est accompagnée d'une nette amélioration des conditions de survie de la mère et de l'enfant, il faut aussi analyser cette intervention comme le fruit d'un contrôle accru sur les corps. Les sociologues Gaël Clavandier et Philippe Charrier notamment ont montré que le développement de l'obstétrique a peu à peu produit une forme de savoir sous domination occidentale et masculine qui pose les mères comme inaptes et incompétentes pour assurer seules le bon développement de leur grossesse et de leur accouchement. Dans ces arguments-là, l'ectogénèse apparaît comme l'ultime arme du patriarcat pour s'approprier une spécificité qui est celle de produire la vie. Le corps naturel est pensé comme obsolète. Et finalement, la reproduction est entièrement prise en charge par les technosciences. Pour des sociologues comme Céline Lafontaine, on est là dans un danger pour l'humanité, puisque pour elle, l'humanité réside dans la construction de traits communs parmi une pluralité de différences, non pas dans une détermination génétique et pathologique de notre existence. Voilà pour ce qui était des arguments en défaveur des utérus artificiels.
Maintenant, ce qui est frappant dans les deux camps, si on peut parler de camps, c'est la possibilité à venir des utérus artificiels qui n'est jamais remise en cause. On est dans une certitude que cela va arriver, on ne sait pas tout à fait quand. Et finalement, dans les deux cas, que ce soit des espoirs ou des craintes, cet outil que serait l'utérus artificiel renvoie à un imaginaire technologique qui pose les sciences et les techniques comme capables de comprendre jusque dans le fonctionnement les plus complexes du corps humain afin de les reproduire. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui autour de cette table ronde et dans ce débat bioéthique, c'est de s'interroger sur une dimension pragmatique, c'est-à-dire de réfléchir sur les conditions de souhaitabilité des utérus artificiels. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui sont d'ordre légal, qui sont d'ordre pragmatique, qu'il faudrait poser, en tout cas anticiper pour commencer à réfléchir à cela. D'une part, le statut légal de ces utérus doit être pensé. Voilà. À qui appartiendrait-il ? Qui serait le propriétaire de l'enfant à naître pendant la gestation ? Qui en aurait la responsabilité ? Et surtout, ce déroulement de la gestation et de la parentalité à venir pose la question de où se trouvera l'utérus artificiel ? Est-ce que ce sera au domicile ? Est-ce que ce sera dans des pouponnières et on viendra chercher un enfant ? Alors, c'est des questions qui sont très concrètes. Est-ce qu'on commandera un enfant ou est-ce que ce sera un utérus qu'on pourra implanter, par exemple, dans des femmes qui seraient infertiles, voire dans des hommes si on pousse la logique jusqu'à son bout. Voilà ce que je voulais dire pour les questions. J'ai plus de questions que de réponses à apporter. Cela étant, elles sont présentes. Merci infiniment, Cécilia. Je trouve que vraiment tes éclairages sont très précis, très très clairs. Ici, axé sur la question plus spécifique de l'utérus artificiel, mais je pense que c'est un exemple particulièrement parlant. Avant de passer la parole à la salle, j'aimerais tous les quatre vous relancer sur un aspect bien particulier qui me semble être un élément important dans la pensée transhumaniste et qui est souvent renvoyé aux transhumanistes d'un point de vue, je dirais quand même plutôt négatif. C'est la perspective de venir d'intervenir sur le génome même des enfants à naître, au plus tôt de leur conception, donc la possibilité à partir d'une DPI savoir éventuellement quelle pourrait être, on en a parlé beaucoup déjà dans les interventions précédentes, je veux dire de hier, d'intervenir ou de connaître les tendances du génome, les risques éventuels, etc. Et grâce à des techniques comme on parle beaucoup de CRISPR-Cas9 par exemple, venir bidouiller dans le génome, j'ai envie de dire. Sachant que finalement, pour l'instant, on sait pas grand-chose, c'est-à-dire on a encore quantité d'inconnus sur les conséquences éventuelles de telles manipulations, quelles sont les positions des transhumanistes ? Est-ce qu'ils pensent que malgré toutes ces inconnues, il faut ne pas avoir de barrières, ne rien s'interdire et donc procéder à ce type d'intervention pour permettre des choix. Quelles sont les positions qu'on peut entendre à ce sujet-là ? Par exemple, question de phénotype, est-ce qu'on peut se permettre ou pas, ou dans quelles conditions, d'intervenir d'un coup de ciseau CRISPR-Cas9 pour modifier un génotype ? Qu'est-ce que vous en dites ? Qui veut répondre à cette interrogation ? Gauthier ? Si je commence, je vais... Si on parle toujours de civilisation, ce que j'essaye de toujours plus faire que l'individu, si on parle de civilisation, il y a plusieurs objectifs qu'on pourrait avoir. On pourrait se dire qu'il faut absolument laisser la sélection naturelle, l'évolution, suivre son cours, donc au gré des accidents, des anomalies génétiques, voir ce qui fonctionne, et dans la 90% des cas, en fait, ça ne fonctionne pas et l'enfant va en souffrir ou ne pas vivre. C'est le premier choix possible. Le second choix possible, qui est assez intéressant, je trouve, ce serait arrêter d'évoluer, utiliser la technologie pour ne plus jamais changer, pour ne plus que l'Homo sapiens évolue. Ça me paraît assez intéressant. C'est assez. Se dire qu'on est quelque chose. La finalisation d'un processus me paraît un peu. Égoïste, je ne sais pas. Et la troisième solution, qui est plus effectivement la solution transhumaniste,
ce serait effectivement de commencer à prendre en main notre évolution, peut-être, sûrement pas en fait de façon violente, hein, en modifiant tout d'un coup, en faisant très attention à ce qu'on fait, c'est sûr. On peut prendre l'exemple qui est bien moins dangereux de la vaccination, ça s'est fait petit à petit avec des essais, parfois des problèmes, c'est vrai, mais pour le bien de tout le monde aujourd'hui. Donc essayer de commencer à prendre en main notre génome, ce qui est très compliqué, le génome on ne comprend pas très bien, et je pense que de plus en plus on va le comprendre et on va commencer à se dire qu'on peut faire des choses, et c'est à nous tous de réfléchir à ce qu'on peut faire demain. Merci Gauthier. Peggy, que t'inspire enfin, ce type de problème, est-ce que tu vois ça comme un problème, quel est ton point de vue? Pour suivre Cécilia, j'aimerais reprendre un point de vue assez pragmatique qui est d'observer qu'en fait aucune barrière n'est complètement étanche. Et c'est ce qu'on est en train d'observer avec CRISPR-Cas9. Donc il y a eu plein de textes législatifs, bioéthiques, etc. pour dire qu'il ne fallait pas modifier la ligne germinale. Les Chinois commencent à modifier la ligne germinale. Donc maintenant les Occidentaux se disent bon, on va s'y mettre. Mais avec le retard, et le fait est que s'ils n'avaient pas mis ces législations contraignantes au début, ils en seraient peut-être plus avancés. Donc en fait, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la frontière, c'est la faisabilité, les choses faisables se font, et c'est assez illusoire de croire qu'avec des barrières surtout légales au niveau mondial, où il y a eu une libération à la fois du marché et des techniques, des gens qui n'ont pas la même culture que nous vont rester très sagement derrière les barrières que nous avons érigées. Non, évidemment, ça ne va pas se passer comme ça. Donc ensuite, moi, à l'inverse de Gauthier, ma solution, ça serait de prendre un point de vue, pour le coup, pas du tout civilisationnel, parce que là encore, tout le monde a des notions différentes de ce que c'est la civilisation. On est aujourd'hui justement dans un moment historique où on voit un conflit assez important entre les idéologies collectivistes qui ont fait tout le mal qu'on sait au XXe siècle et les idéologies beaucoup plus libérales et individualistes qui pour le coup sont celles que je défends. Et c'est pour ça que je défendrai pour le coup ce que j'appellerais une bioéthique minimale sur le modèle de l'éthique minimale qui a été développée notamment par Yuval Nagin, qui est que tant qu'il n'y a pas de nuisance à autrui, en fait, l'individu n'a aucun devoir envers lui-même. Et donc, c'est cette parcimonie éthique, en fait, c'est ne pas faire du mal à autrui, et ce qu'on veut faire soi-même, si c'est faisable, faisons-le, quoi. Merci. Armand, tu souhaitais revenir sur les propos de Cécilia tout à l'heure, sur la question en tout cas de l'utérus artificiel plus précisément, bien que le lien me semble-t-il assez direct, puisque dans les deux cas, il est question d'une intervention quand même très, très tôt sur le processus de procréation. Qu'est-ce que voulais-tu rajouter? Oui, donc en fait, ce que je voulais précisément ajouter, c'est bien sûr en prenant mon approche de... je suis pas bioéthicien, mais j'essaie de travailler sur des questions de bioéthique. Et concernant l'utérus artificiel, je pense que ça va devenir un sujet un peu comme a été le clonage autour des années 97 jusque 2000-2003. Je me suis posé cette question, bien sûr, comme je dis, faisant quelques recherches en bioéthique, je ne suis pas bioéthicien. Je pense que la question éthique majeure qui pourrait se poser au sujet de l'utérus artificiel sera premièrement la question du statut de l'utérus artificiel. Est-ce qu'on va considérer simplement cela comme un outil, pour reprendre l'expression, un outil technologique pour rester dans le contexte, ou est-ce qu'on va considérer cela comme une technique médicale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aura au préalable identifié la cible, c'est-à-dire le patient, parce que pour que cela soit considéré comme une technique médicale, il faudrait au préalable qu'on ait défini la catégorie de patient. Et là encore, il va se poser des questions éthiques, parce que est-ce qu'on va définir le patient comme la femme infertile? C'est elle qui sera le patient? Est-ce que ce sera la femme dont on aura constaté qui est exposée à une consommation excessive de drogue, et donc, par exemple, le fœtus pourrait en pâtir après sa naissance? Est-ce que ce sera la femme donc dangereuse, ou la femme qui est en danger parce qu'il y a
il y a un problème, il y a un avortement qui doit être précipité. Est-ce que ça sera ça le patient? Est-ce que le patient sera peut-être le prématuré, le grand prématuré? Peut-être qu'on va définir le seuil. Ou simplement, est-ce que le patient ne pourrait pas être, il pourrait être transhumaniste? Est-ce que le patient ne sera pas peut-être aussi la femme carriériste, la femme normale, mais qui voudrait recourir à la technique d'utérus artificiel? Donc moi, je pense que ce sont des questions qui vont animer les débats en bioéthique, la question, celle du statut même de cette technique. Sera-t-elle une technique médicale ou simplement un outil, un gadget qui rentre dans ce qu'on peut appeler les innovations technologiques? C'est ce que je voulais. Bon, ça nous montre bien, je trouve, que les transhumanistes portent autant de questions que ce que parfois on peut penser qu'ils portent de réponses. Je pense qu'ils sont tout autant dans les interrogations que les autres. Cécilia, peut-être pour conclure, un tout dernier mot, si tu veux, sur notamment la question que je posais, puisque tu as mis le focus tout à l'heure, notamment sur la question de l'utérus artificiel, sur la question de l'intervention, par exemple, sur la lignée germinale ou la possibilité d'intervention au plus tôt, dans la perspective d'un utérus artificiel, pourquoi pas. Comment est-ce que tu as l'impression que les transhumanistes se positionnent, alors, avec un regard plus extérieur? Tu as l'impression qu'ils sont vraiment dans le proactif, qu'ils proposent allons-y, ou tu as l'impression, quel est ton sentiment? Ce que j'ai pu remarquer au cours de mes terrains et de mes études sur le sujet, c'est que les transhumanistes sont très largement en faveur des modifications de l'embryon et du génome, qu'ils sont un peu ce que disait Peggy, c'est-à-dire pour une éthique minimale, vraiment, dès lors que ça ne concerne qu'un individu, ce n'est pas un problème. Moi, je mettrais l'accent sur ça. Voilà, ils sont vraiment dans cette optique-là. Je n'ai jamais rencontré de transhumanistes qui étaient contre la modification du génome. C'est assez évident. Ça fait partie un peu des prérequis idéologiques quand même de ce mouvement. Voilà. D'accord. Bon, je me permettrai peut-être simplement d'ajouter de manière globale que tout de même, parmi les transhumanistes, il y a une très très grande diversité. Il y en a certains, en effet, qui sont dans une logique libérale, libertaire, on pourrait dire, et qui sont décidés à aller le plus loin possible, parfois même le plus rapidement possible, sans trop se questionner sur les risques éventuels. Et il y en a d'autres qui, heureusement, sont de plus en plus majoritaires dans ce mouvement, que ce soit dans le monde anglo-saxon et encore plus fortement, par exemple, en France, qui se réclame de cette tendance qui s'est appelée elle-même techno-progressiste et qui, malgré tout, considère que la régulation est souvent nécessaire. En effet, a priori, il réclame quand même la liberté la plus grande possible, mais ça ne signifie pas tout à fait donc la possibilité de faire tout et n'importe quoi quand on veut sans se poser aucune question. Je pense que nous allons à partir de maintenant passer vous passer la parole et donc je la rends d'abord au professeur Nizan peut-être. Merci beaucoup. Je suis assez d'accord avec Ruven Augien quand il dit il faut pas nuire à autrui et c'est la seule limite morale que l'on puisse s'imposer. Mais si on, par exemple, on injectait un gène qui fasse que les gens qui ont eu ce gène soient plus grands de 50 cm et aient besoin de deux fois moins de sommeil, il y aurait à main gauche ceux qui ont fait la modification génétique et à main droite ceux qui ne l'ont pas fait. On aurait donc deux espèces humaines, avec toutes les conséquences négatives que cela pourrait avoir. Moi, j'appelle ça une catastrophe pour l'humanité. Alors, est-ce qu'on peut être favorable au changement des gènes sur la lignée germinale en ignorant complètement la proposition de Ruven Augien qui est de ne pas faire de mal à autrui, parce que là, ça en ferait terriblement?
Alors, enfin bon, je pense que nous avons, je sais pas, qui veut proposer une réponse à cette interpellation. Oui, bien sûr. Oui, enfin, comment dire. Premier point, l'humanité n'a pas attendu des techniques aussi radicales que la modification des lignées germinales pour avoir envie de se diversifier. Donc peut-être qu'évidemment on n'a pas encore observé de spéciation littérale. Donc voilà, les hiérarchies, les diversités sont là et voilà. Enfin, ça, à la limite, ça ne serait qu'un. Dans cet exemple que je pense extrême justement apocalyptique, il y a ça aussi. Et Ruven Ogien aussi mettait avertissait beaucoup sur l'argument de la pente fatale. Donc là, pour le coup, je le cite littéralement. Il disait: faute de préciser la nature du lien entre le point de départ et le point d'arrivée et d'expliquer pourquoi ce lien est nécessaire, l'argument de la pente fatale n'a aucune valeur intellectuelle, il est purement irrationnel. Donc voilà, faute de préciser tous les liens nécessaires entre les étapes A, B, C, D, entre la modification de la ligne germinale et on arrive à une espèce humaine divisée en deux avec ceux qui font plus de 50 cm et qui ne dorment plus et ceux qui sont normaux. Voilà, faute de préciser ce lien, l'argument est purement irrationnel, comme disait Ruven Ogien. Ceux qui découvrent à un certain moment de leur évolution qu'ils portent un gène qui ne leur permettra pas de dépasser 1,30, 1,50, n'ont jamais choisi cela. Et s'il y a des technologies qui peuvent permettre à des personnes pareilles de se sentir confortables dans leur psychologie, dans leur chair et dans leur corps, jusqu'ici, cette maxime que vous donnez est très très belle. Mais je voudrais également qu'elle s'applique et qu'elle considère l'approche dont j'essaie de vous faire savoir. Il y a beaucoup de personnes qui naissent avec des handicaps, pas simplement des handicaps physiques liés peut-être à la taille. On appelle ça parfois le hasard de la génétique. Mais on dit aujourd'hui qu'il y a des possibilités d'intervenir directement où le problème du hasard s'est situé pour le corriger. Je cherche, et c'est pour ça que je ne comprends pas comment on ne peut ne pas être transhumaniste. Je ne comprends pas. Parce que je cherche, j'ai fait quand même un peu d'études philosophiques, pas beaucoup, j'ai un peu beaucoup lu de ça. Mais je cherche jusqu'où c'est difficile de comprendre qu'on est tous transhumanistes et que si on a besoin d'un peu d'égalité, on doit être plus que humain. C'est mon appréhension. Merci. Gauthier, une réaction ? Très court, je pense qu'il y a déjà une sorte de souffrance psychologique d'une partie de la population si on fait cet exemple très extrême. Donc à ce moment-là, ça ne marche plus, on ne pourrait pas le faire parce qu'effectivement, ça cause des problèmes à la partie qui ne. L'autre partie. Voilà. D'accord, merci pour ta brièveté. Cécilia, tu voulais également réagir ? Un des écueils de la pensée libérale est de se concentrer sur l'individu en étant souvent oublieuse des conséquences au niveau collectif. Et c'est là où je rejoins votre remarque, puisqu'il ne faut pas oublier que cette technique s'inscrit dans un cadre qui est social et donc collectif, et penser qu'il n'y aurait aucune conséquence au niveau du groupe relève de l'aveuglement. Il y aura forcément des normes, des influences collectives, et on ne peut pas faire l'économie de penser ces conséquences en amont, puisque lorsqu'on parle de modification du génome, les dérives eugénistes viennent très 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 rapidement à l'esprit, et un encadrement légal, à mon sens, serait absolument nécessaire, même si d'autres pays ne respecteraient pas ces mêmes normes. Il est important de se poser les bonnes questions et de ne pas dire qu'il n'y aurait aucune conséquence au niveau collectif. On le sait, le passé nous a montré qu'il y a forcément des influences. Je me permets de réagir également à ce cas, enfin cette interpellation très très précise. Tout de même, je me pose la question. Je me dis, est-ce que déjà de par le monde, au sein de notre humanité, il n'y a pas une
relativement grande diversité. Et puis on peut parler de la taille. L'exemple d'Armand est un exemple de ce qui existe déjà. Mais même parmi les différents types de populations, je ne sais pas, les Bushmen du Kalahari ont des, voilà, les pygmées, sont des personnes de taille différente et même avec d'autres caractéristiques génétiques différentes. Peut-être, je ne sais pas, hein, je vais peut-être dire n'importe quoi, mais par exemple, peut-être de par leur mode de vie depuis des dizaines, des centaines de milliers d'années, peut-être leur mode de digestion, par exemple, en fonction de ce qu'ils consomment, n'est pas exactement le même que le mien, que sais-je. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui me semble, enfin, est-ce que ce qui n'est pas le plus important au fond, c'est que les différents peuples, enfin, je sais pas, les colons néerlandais qui sont venus occuper la Namibie aujourd'hui ne soient pas dans une recherche de vie et de vivre ensemble avec leurs voisins, Bushman. Et est-ce que ce qui n'est pas le plus important finalement, c'est tout simplement que les uns et les autres soient capables de se reconnaître comme personnes dignes et égales, enfin égales en dignité et en droit. One man, one vote. Et le fait que l'homme mesure 2,50 m, puisse travailler 3 jours sans dormir ou que sais-je, n'a au fond pas une grande importance. Par contre, enfin, vous avez complètement raison de dire qu'il faut vérifier si en pratique, hein, de fait, finalement, le colon de descendance, enfin, ou de d'ascendance néerlandaise n'a pas plus de pouvoir politique, social, économique que le Bushman du Kalahari. C'est là le problème, enfin, me semble-t-il. Et que donc, finalement, ça renvoie à dire que pour que les perspectives auxquelles le transhumanisme amène à penser soient acceptables, eh bien, il y a sans doute des conditions politiques. Et c'est peut-être là que, finalement, le problème le plus important se pose. Si nous étions capables, ne serait-ce que dans certaines sociétés, d'avancer suffisamment fort dans le respect de ces conditions politiques, alors, eh bien, cela deviendrait davantage envisageable de laisser le choix à une plus grande, d'aller vers une plus grande diversité, même génétique, au sein de ce qui de populations qui continueraient à se considérer comme humaines. Merci. Je voulais rebondir là-dessus par rapport à l'utérus artificiel, parce qu'on pourrait se poser la question, effectivement, l'utérus artificiel, quelque part, ce serait une façon de ne plus avoir de complications obstétricales, peut-être de ne plus avoir de pathologie fœtale due à un problème de la patiente. Ça permettrait énormément de choses. Qu'est-ce qu'il en serait des femmes qui finalement décideraient de porter leurs enfants et de prendre un risque médical pour elles-mêmes et pour l'enfant, comment la société pourrait le vivre? Mais en fait, c'était pas ma question, mais je voulais quand même le souligner. C'était à propos du don d'ovocytes. Nous avons à Strasbourg un centre de procréation médicalement assistée où on fait du don d'ovocytes et où on avait un gros problème pour avoir des dons de donneurs africains. Donc les donneurs comme donneuses ne donnent pas. Et nous avons des couples africains, lui et elle, et nous avons des couples mixtes. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation complexe où on a un couple dont la femme est africaine, le mari est caucasien, et il souhaite finalement un don d'ovocytes. Et malheureusement, nous ne pouvons pas leur proposer d'ovocytes de femmes africaines, donc ils sont tout prêts à accepter un ovocyte de femmes caucasiennes. Ça crée des, comme vous l'avez dit, hein, un de vos couples a été refusé pour garder une sorte de continuité dans la famille. Eh bien, c'est aussi difficile à être accepté chez nous. Donc, la question est remise, je dirais, pas uniquement pour ce couple, mais au final, et on reprend la discussion qu'on a eue hier, est-ce que dans ce don de gamètes, où on fait même jusqu'à faire attention au groupe sanguin, ne faudrait-il pas remettre en question non seulement le groupe sanguin, mais la couleur de la peau et cette soi-disante apparence qu'on essaye de maintenir entre le donneur et le receveur? Armand, tu veux répondre? C'est vrai que je ne suis pas, vous allez me prêter un spécialiste des ovocytes, je n'en sais vraiment pas grand-chose. J'essaie simplement de défendre des causes, et pour moi c'est une cause absolument défendable, que celle de prêter une voix afin que les femmes, en général les femmes africaines, se mobilisent sur ces questions de dons, en fait même de dons en général.
Parce que on a toujours vanté des qualités de solidarité africaine. Et généralement également, on dit que ce n'est qu'une apparence, et c'est parfois aussi vrai, parce que sur des questions comme celle du don de soi, don de ce qu'on peut appeler des gamètes, pour donner vie, pour donner une vie, pour permettre à une autre personne comme soi d'avoir également l'opportunité de ce bonheur qu'est celui d'avoir un enfant. Mais il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Beaucoup de nos femmes africaines ne comprennent pas ça. C'est pour ça qu'effectivement, je suis très, 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 très flatté d'accompagner Sandrine, qui pourra peut-être donner une certaine réponse, parce qu'elle s'y investit un peu plus que moi dans ces questions-là. Je vais répondre. Effectivement, je partage assez, parce que lorsqu'on est dans une situation, parce qu'on fait souvent référence à l'eugénisme, lorsqu'on fait le choix du phénotype noir, la question, je rejoins complètement, ce serait parce qu'on ne la pose pas un caucasien. Pourquoi il fait aussi le choix du phénotype caucasien? Ça se poserait la question de savoir, peut-être demain, effectivement, supprimer tous ces critères-là. Ben c'est le couple, le parent découvrait à la naissance en fait la couleur de peau ou la caractéristique visible en fait de l'enfant qu'il aura. Mais effectivement, c'est une vraie question, parce que c'est plutôt reproché effectivement à une personne qui est noire de faire de l'eugénisme, parce qu'on fait le choix du phénotype noir, et c'est pas le cas du phénotype caucasien, parce que lui aussi fait le choix du phénotype caucasien. Donc voilà, c'est une très bonne question. Effectivement, je l'ai soulevé aussi de supprimer, parce que moi par exemple finalement d'avoir fait parce que j'étais au Seco de Chitigen aussi, hein, d'avoir fait ce choix-là, dont j'ai renoncé effectivement au phénotype caucasien. Ça a été phénotype noir, ça a été très très difficile, parce que voilà, enfin, il y a beaucoup beaucoup de questions, parce que contrairement au couple mixte, moi c'est deux couples noirs, donc c'est différent. Donc voilà, donc effectivement, c'est des questions effectivement à poser à l'avenir, supprimer tous ces critères-là. Voilà, ça rentre dans la diversification après de découvrir. Mais après, il y a d'autres questions sociales qui vont rentrer en compte, parce que la même question s'est posée aux États-Unis. Le couple a indiqué que il faut gérer. C'est difficile qu'on ait un couple caucasien, mais il faut gérer également d'autres notions qui sont sociales, comme avoir un enfant noir au sein d'un couple blanc. Enfin, des questions ont été aussi évoquées aux États-Unis. Donc voilà, mais bon, ça mérite une vraie interrogation. Bonjour, j'aurais une question en fait, ça serait pour savoir comment on pourrait donner l'accès à ce service à tout le monde, sachant que déjà dans des pays, ils n'ont même pas accès aux vaccins. Comment leur proposer alors ces services ? Quels services ? Comment donner, donc la question est plutôt une question économique, comment donner accès à l'ensemble, enfin à ces techniques, à différentes techniques, donc on peut prendre l'exemple de PMA et de l'accès à un don de vos sites, dans des pays où on a encore peut-être des difficultés à avoir accès au vaccin. Comme Marc le dit, ce sont des questions qui sont beaucoup plus d'ordre politique. C'est pas de la faute des chercheurs, c'est pas de la faute des médecins, de ce qu'il n'y ait pas de vaccins dans les hôpitaux en Afrique, au Cameroun. Je ne suis pas sûr. Il y a des campagnes de vaccination, il y a des vaccins. Donc c'est parfois aussi un cliché que de dire qu'on est dans des contextes où les gens n'ont pas accès aux vaccins. Je ne suis pas très certain. Par contre, les techniques de procréation médicalement assistée coûtent très très cher, pas seulement en Afrique, même ici, ça coûte très cher. Sandrine fait les déplacements tout le temps vers des pays low cost pour pouvoir faire je ne trahis pas ces petites choses, mais elle comprend ce que je veux dire. Donc, mais il y a par exemple en Afrique du Sud, le gouvernement accompagne des personnes qui veulent créer des officines de procréation médicalement assistée. Et par exemple, vous pouvez facilement avoir pour une technique de FIV pratiquement l'équivalent de 1 000 euros. Mais ça varie entre 1 000 et 4 000 euros. Il y a des couples au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, qui peuvent se payer ce prix-là. Il y a des couples qui le peuvent. Il y a d'autres facteurs, en fait, qui font que c'est pas très, très vulgarisé. Ce sont des facteurs liés à l'accompagnement technique. Comprenez ? Les officines de procréation médicalement assistée demandent un outillage, un appareillage, mais d'autres dispositifs. Il y a de l'électricité, l'énergie. Ça pose encore un problème. La question des vaccins, ça, c'est vraiment... C'est minimisable. Par contre, la question de l'énergie,
C'est ça qui est une vraie question, en fait. Parce que pour pouvoir avoir une officine de procréation médicalement assistée, il faudrait quand même au minimum que le fournisseur d'énergie soit suffisamment stable ou la fourniture d'énergie soit suffisamment stable. Il y en a d'autres paramètres. Donc je comprends très bien votre sens d'une certaine solidarité pour les jeunes enfants qui ont besoin de vaccins. Mais c'est une autre question qui est beaucoup plus politique. Je voulais vous poser la question. Vous avez un modèle pour pouvoir travailler sur l'évolution? Est-ce que vous avez un modèle représentatif de ce que doit être l'humain? Puisque l'évolution a quand même pris du temps. Vous voulez accélérer le temps ou pas? Après, qu'est-ce qu'il en sera de la biodiversité avec les transformations? Et la question aussi par rapport à la biodiversité, est-ce que vous voulez manipuler le génome de telle façon à enlever ce qui est mauvais? Ou justement, j'en reviens à la question de modèle, est-ce que vous avez une projection de modèle de ce qui doit être? Je propose, enfin, je vous dis, tu voudras sans doute ajouter, je propose une réponse simple. Clairement, de mon point de vue, il n'y a pas d'eugénisme du point de vue transhumaniste, si on prend eugénisme au sens strict du terme. C'est-à-dire dans l'eugénisme, il y a un isme qui en effet sous-entend un programme et qui sous-entend qu'on pense savoir, hein, celui qui est eugéniste propose un programme, il pense savoir où se trouve le parfait, dans quelle direction aller. Ça n'est pas du tout ce que disent les transhumanistes. Ce que disent les transhumanistes, ce pourquoi en effet ils militent, c'est ce dont il a été, pour ce dont il a été question auparavant, c'est-à-dire au départ une liberté individuelle tant que celle-ci ne nuit pas à autrui et point barre, et avec l'espoir que ceci doit aller vers plutôt davantage de diversification et en même temps avec le souci que cela n'aille pas vers une forme d'uniformisation qui serait sans doute mortifère pour l'humanité. Donc non, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de prétention à savoir, et d'ailleurs ça a une conséquence, c'est que sans doute il faut aller relativement lentement pour se rendre compte évidemment quand les choix qui ont été faits où l'accumulation des choix individuels nous amène dans des directions qui s'avèrent évidentes, c'est-à-dire quand on constate véritablement qu'on va vers un cul-de-sac. Donc ça demande la possibilité d'un petit peu de recul pour pouvoir changer les choix ou l'ensemble des conditions qui ont permis les choix individuels. Donc voilà, je ne sais pas si je suis assez clair, mais en tout cas, sur le premier aspect de votre question, la réponse est clairement négative. Gauthier, tu voulais rajouter une idée? Oui, c'est vrai qu'il y a, enfin, quand on parle technologie, il y a un fort risque d'uniformisation, de cadrage encore, de cases qui peuvent être faites. Ce que je voulais expliquer, c'est que le transhumanisme peut amener au contraire de la diversité. L'évolution des espèces, ce n'est pas une ligne droite. C'est vraiment un buisson d'espèces qui testent des choses, qui essayent des trucs. Et ce buisson est régulièrement coupé par le grand élagueur qui est la sélection naturelle. Et c'est là-dessus, sur ce buisson finalement, que nous estimons non pas qu'il faut faire ça. Ce n'est pas ça que proposent les transhumanistes. Les transhumanistes disent l'état actuel. On peut peut-être le diriger, non pas uniformiser, mais mettre peut-être quelques tuteurs, essayer d'aller vers autre chose, quelque chose de peut-être plus réfléchi. Merci. Peggy ? Oui, en fait, je pense qu'à l'inverse de votre question, contrairement à ce que vous entendez, avoir un modèle a priori, c'est-à-dire avant et en dehors de l'expérience, c'est une garantie assez sûre de catastrophe. Et donc pour revenir, il y a une phrase qui est attribuée à Christophe Colomb que j'ai souvent fait mienne, c'est « on ne va jamais aussi loin quand on ne sait pas où on va ». Et voilà. Donc pas de plan, a priori. Oui. Un avis rapide alors pour Armand. Oui. La dame demande s'il y a un modèle évolutionniste qu'on peut constater dans le transhumanisme. A priori, il n'y a pas de modèle évolutionniste parce que le transhumanisme en général se base sur une philosophie de l'évolutionnisme comme n'ayant pas de finalité. N'ayant pas de finalité. La particularité au moins, c'est que puisque l'évolution n'a pas une certaine finalité, nous voulons maintenant
y intervenir et donner un sens à cette finalité-là. Ça, c'est peut-être pour répondre à la question du modèle évolutionniste. La biodiversité, les recherches qui sont faites aujourd'hui dans le cadre du développement génomique et tout ça, ça ne concourt pas, ou les modifications ne concourent pas à une uniformisation, comme l'a dit Gauthier. Ce n'est pas nécessairement à ça qu'on va. On ne va pas vers la disparition d'une biodiversité, donc une uniformisation des habitudes. Ce qu'on a déjà démontré, et on le démontre hier encore ici, je pense, le professeur Mandel faisait savoir, ou bien je crois que c'est le professeur Schneifesser, je ne sais pas trop, peut-être du coup, ouais, faisait savoir qu'on ne peut plus, diviniser le gène. Le gène est un paramètre qui rentre dans l'évolution humaine, mais ce n'est pas le paramètre. Il y en a d'autres paramètres. On ne peut pas penser l'uniformisation génétique. Disons, on ne peut pas parler des modifications qui sont pensées dans le transhumanisme comme une forme d'uniformisation génétique. Non. Troisième chose, manipulation pour enlever les mauvais. C'est une très très bonne question, mais elle est aussi simple. Parce que moi, si, je le dis toujours personnellement, si demain il y a la possibilité pour moi d'enlever quelque chose, je dis bien quelque chose dont je mets tout dans ce quelque chose-là, en moi, qui peut être un inconvénient à ma santé, à mon évolution personnelle, je ne sais pas, s'il y a la possibilité que cela soit éliminé, si vous ne voulez pas que cela soit éliminé, c'est une chose. Si je veux que cela soit éliminé, c'est autre chose. Vous comprenez qu'on a le choix, et c'est un choix individuel. Merci. Oui, j'avais une question concernant l'utérus artificiel. J'aurais aimé être convaincue par vos développements et votre argumentaire, notamment parce que j'ai bien entendu les motivations que pourraient avoir certaines, et peut-être même certains d'ailleurs, concernant cette possibilité qui serait donnée, pourquoi pas, dans un futur peut-être même proche à l'humanité. J'entends bien qu'il y a peut-être un enjeu médical pour certaines femmes. J'entends également qu'il peut y avoir un enjeu professionnel, même si il me semble que la société a beaucoup de progrès à faire en la matière et peut apporter bien autre chose qu'un utérus artificiel pour que les femmes puissent faire leurs enfants et avoir des carrières professionnelles. Que lorsqu'une une grossesse se passe bien, ça prend pas beaucoup de temps de mettre au monde un enfant, et donc j'ai pas l'impression que ce serait un avantage énorme pour les carrières. Mais mis à part cela, ce qui me gêne plus, c'est qu'il me semble que votre argumentaire est très léger, notamment sur les conséquences pour l'enfant. Et j'aurais voulu savoir si vous aviez lu les théories de l'attachement. J'aurais voulu savoir ce qu'il en serait pour l'enfant qui n'aurait pas eu la possibilité de passer 9 mois dans le ventre d'un être humain. J'aurais voulu savoir si le chevreau dont vous avez parlé a un trouble de l'attachement. Voilà, ça c'était pour la blague, mais voilà, quelles sont vos recherches, vos avis sur la question de l'attachement pour l'enfant? Alors, qui veut répondre? Oui, Cécilia. Pour moi, ce que vous dites, c'est tout à fait juste, et c'est la principale limite insurmontable. À ce jour, pour l'utérus artificiel, on ne sait rien, presque rien, de la complexité des échanges entre la mère et le fœtus, et se lancer dans des expériences serait, à mon sens, éthiquement injustifié. Voilà. Armand? Mais ce que je vais dire n'est pas peut-être très correct, parce que je ne suis pas spécialiste de ces questions-là aussi. Mais il me semble que jusqu'ici, l'utérus artificiel est posé pour un type de patient, un type de fœtus, qui au minimum a passé un certain nombre de temps. Je crois savoir que ce doit être 23 semaines ou 24 semaines. Comme je dis, je n'ai pas la certitude sur ce chiffre-là. On peut vérifier. Je veux simplement faire savoir que quand vous posez la problématique de la grossesse, de la maternité, de l'attachement, de l'échange, des échanges psychologiques ou psychobiologiques entre le ventre de la femme ou de la maman et son fœtus, c'est légitime. Mais je veux également faire savoir que dans le cas des grands prématurés qui doivent être d'une certaine manière extraits du ventre de la maman à un certain moment, il y a aussi cette question-là. C'est-à-dire que quand vous avez un enfant, un fœtus qui est extrait, qui n'a pas donc suivi tout le cycle de 8 à 9 mois, vous ne vous posez pas la question du reste de temps qu'il passe, qu'il est exfiltré du ventre de sa maman, ou peut-être qu'il peut être couvré dans, je ne sais pas, embryoscope et tout ça.
Donc il y a aussi ça en fait, vous comprenez, je veux simplement faire savoir qu'il y a une vie qui est préalable. L'utérus artificiel ne viendra pas au début, ça viendra à un moment précis. C'est pour ça que j'ai dit il faut cibler qui est le patient. Merci. Une autre question alors. Donc c'est plus une remarque très courte qu'une question, donc en tant que transhumaniste, par rapport à la question qui avait été posée. Concernant les objectifs, qu'est-ce qu'on veut comme humain, il y a quand même, je pense, une chose sur laquelle tous les transhumanistes se retrouvent, c'est vouloir des humains plus résilients, c'est-à-dire notamment qui ne meurent pas de vieillesse. Là, c'est quand même, et en tout cas pour tous ceux qui le souhaitent. Voilà, je pense que c'est vraiment important de rappeler ça. Et j'imagine que personne n'est en désaccord devant, mais sinon, si vous êtes en désaccord, dites-le. Bonjour, vous insistez sur la liberté individuelle de vos choix personnels par rapport au groupe, tant que vous ne nuisez pas au groupe. Or, je me demande si quand vous touchez à la lignée germinale, quand vous modifiez la lignée germinale, c'est peut-être bon pour vous, mais vous touchez aussi à votre descendance. Et votre descendance, on ne lui a pas demandé son avis. Et peut-être que lui, il ne trouvera pas que c'est bénéfique. Je pense que dès que vous touchez à la lignée germinale, vous empiétez sur la liberté d'autrui. Alors, qui veut proposer une réaction, Gauthier ? Je vais être assez court. C'est effectivement intéressant. C'est-à-dire que l'enfant qui n'existe peut-être même pas encore, on ne lui laisse pas ce choix, on ne lui a pas demandé. Ça va être difficile de lui demander, je vous avoue. Néanmoins, on peut se poser la question de, en fait, la mère va finalement avoir se dire qu'est-ce qui est le meilleur pour mon enfant, et je pense que toutes les mères se posent cette question. Et finalement, oui, c'est ça l'important, c'est que l'enfant, si la mère ne fait pas de modification, l'enfant n'a de toute façon pas de choix non plus. C'est juste que ce qu'est cet enfant n'aura pas été choisi par la mère, mais aura été choisi au hasard, peut-être de façon quelque chose de très mauvais, mais voilà, c'est finalement un choix qu'on ne lui laisse pas, puisqu'il n'existe pas, mais un choix que de toute façon il n'avait pas. Oui, merci. Autre réaction? Oui, enfin, juste quand même quelques remarques. C'est que quand vous dites c'est politique, il y a quand même des enjeux peut-être plus importants à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens sur la planète qui ne vont pas très bien. Donc je pense que dépenser, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de recherche, mais dépenser des sommes énormes pour des utérus artificiels ou je ne sais pas quoi, enfin, ça me pose question. Deuxième point, moi je fais 1m70, j'aurais bien aimé faire 1m85 comme mon gendre, mais je suis désolé, je fais avec. Après, par rapport aux parents, on a tous, on fait avec nos parents, c'est-à-dire qu'on est avec des valises plus ou moins lourdes, avec roulettes ou sans roulettes. Donc moi ça me paraît pas mal, je dis pas qu'on est égaux, mais je ne crois pas que l'égalité dont vous parlez soit vraiment un monde enviable. Et enfin, moi je sais pas combien de temps il me reste à vivre, j'ai 67 ans, bientôt 68, je vais peut-être mourir demain, je vais peut-être avoir un cancer après-demain, j'en sais rien, mais je vais laisser la place à mes enfants, à mes petits-enfants qui eux-mêmes, etc. Et je trouve que tout en acceptant qu'il y ait des progrès, il faut regarder où on va. Et ayant lu, comme beaucoup d'entre vous, 1984, où on est déjà d'ailleurs volontairement, parce qu'on donne des données partout et on sait où on est, etc., etc. Donc on y est déjà, c'est pas demain. Le totalitarisme, effectivement, faire carrière, et je crois que c'était très bien dit, est-ce qu'il faut faire carrière, est-ce qu'il faut pas plutôt aménager la vie des sociétés, de l'organisation, pour que les hommes prennent davantage de choses en main? Moi, je serais très content qu'un PDG ou un cadre dise, écoutez, maintenant on fait une pause parce que je vais donner le biberon à mes enfants, et puis après on reprend la séance. Bon, je crois qu'il y a toutes d'autres questions qui se posent et qui ne vont pas dans le sens de ce que vous proposez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder, je dis simplement qu'il faut regarder ça avec beaucoup de prudence. Je sais pas, Armand veut proposer une anecdote en réaction. C'est pas la faute au transhumanisme. Si elle est accusée le capitalisme, j'ai une petite anecdote. J'ai une amie qui vit au Cameroun, qui travaillait dans elle a fait de très très bonnes études. Elle a un master en banque et finance. Mais malheureusement, elle a été recrutée dans une très très bonne école, une très prestigieuse école. Et elle y travaillait là-bas comme caissière. Et
elle a dû concevoir, mais son patron ou son employeur lui a fait savoir que, puisqu'elle avait conçu, elle n'aura qu'un seul mois après son accouchement, elle n'aura qu'un seul mois pour pouvoir, je ne sais pas, qu'est-ce que peut-être allaiter son enfant, mais elle n'aura qu'un seul mois, qu'après un mois, elle devrait revenir à son boulot. Mais de vous à moi, peut-être des femmes, je ne sais pas ce que c'est que engendrer. Après un mois quand même, c'est pratiquement impossible de laisser son enfant et de continuer le travail. Mais je vous parle du Cameroun, je ne vous parle pas de la France. Vous pouvez comprendre comment ce n'est pas le transhumanisme qui choque les gens, qui dérange. Ce n'est pas votre, mais c'est le capitalisme. Vous comprenez ? C'est là qu'il faut trouver des problèmes et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des solutions qui sont beaucoup plus politiques. Il ne faut pas l'accuser le transhumanisme de tout ça, en fait. C'est ce que je pense. Oui. Bonjour, Marcel David. J'avais une question pour reprendre l'aspect le point de vue de l'enfant engendré. Vous imaginez un peu ça, un couple le soir dans la cuisine où, écoute, Germaine, aujourd'hui le gamin il était infernal. Tu sais, quand on l'a conçu, finalement, dans le catalogue Amazon, on aurait dû quand même, au lieu de s'acheter une bagnole, on aurait quand même dû prendre l'option 18. Il était un peu plus calme. Première chose. Vous imaginez le gamin dans sa chambre avec la photo de son papa, sa maman, puis du catalogue Google. Bah oui. Je sais pas, le gamin, il est issu du choix de son... Il a un papa, il a une maman, et puis il a les options de Google qu'ils ont choisies, quoi. Donc, hein. Aussi, une autre problématique pour l'enfant qui est né, c'est, en dehors de l'ectogénèse et de tout c'est plutôt quand les parents choisissent ou interviennent sur le génome futur. Il y a une notion de propriété qui intervient. Oui, de responsabilité. J'ai choisi telle option, tel machin, tel ceci, cela. Et je suis pas content du résultat. Mais qu'est-ce que je fais ? Vous vous souvenez très bien, il y a ça un ou deux ans, il y a une dame américaine qui avait adopté un petit Ukrainien, gentil, beau, machin, caucasien, tout ça, blond, machin chose, et qui n'a pu supporter ce gamin qui devait être un peu caractériel, et puis qui l'a renvoyé avec un coup de pompe dans les fesses chez lui. Alors, je fabrique un gamin, je choisis des options, des choses... Le résultat n'est pas là, ou il y a une combinaison d'options qui ne va pas bien. Et qu'est-ce que j'en fais ? C'est moi qui ai choisi, je peux le renvoyer chez Google. Hein. Bon, allez, c'est une réponse de la part de Félixastre. Bravo. Alors, une proposition de réponse de la part de Peggy Sastre. Oui, j'entends bien cette question, cet argument qui est, on le voit, très populaire. Mais j'ai envie de dire, regardez ce qui se passe dans les familles naturelles. Les Germaine et Bernard qui conçoivent naturellement le samedi soir après la télé. Est-ce que vous croyez que ça se passe parfaitement tout le temps ? Qu'il n'y a pas de risque de rejet, de maltraitance, etc. Ça, c'est des arguments qu'on entend. Enfin, je veux dire, c'est quand même des arguments qu'on entend depuis très longtemps, par exemple sur l'adoption, on va faire un bébé sur catalogue. Maintenant, on entend sur la FIV, sur la GPA. Oh oui, regardez, les gens qui vont au Danemark, qui choisissent des traits, etc. Mais en fait, on ignore, enfin, comment dire, on ignore, on feint d'ignorer que c'est une tendance totalement humaine, naturelle. Les gens, en général, en moyenne, ont envie d'avoir des enfants, un, qui leur ressemblent, deux, qui leur plaisent, trois, qui ne sont pas chiants, etc. Donc, mettre cette faute-là sur les grands monstres actuels qui sont le libéralisme, le capitalisme, Google, Amazon, etc., c'est ne pas se rendre compte que ces problèmes, en fait, ce sont des problèmes inhérents à l'humanité, et donc changeons l'humanité, et c'est un des objectifs du transhumanisme, donc tout va bien.
si vous le... J'aurais voulu juste rajouter un petit mot également en réponse à cette dernière intervention. Vous avez cité un mot qui me semble pour moi le mot clé dans cet ensemble de questionnements-là, qui est le mot responsabilité. Il me semble que pour moi, beaucoup de ces questions trouvent leur réponse dans la mesure tout simplement où chacun assume ses responsabilités. Il me semble que des parents qui font des choix, ils font déjà des choix. Ils font des choix éducatifs, ils font des choix dans la manière dont ils se retrouvent, par exemple, de simplement le choix du partenaire, c'est déjà un choix. Il y a des conditions sociales, il y a des conditions pour certains, dans certaines sociétés, il y a des conditions qui sont quasi génétiques et ça existe depuis, depuis bien longtemps. Ce qui est important, c'est d'assumer ses choix. Vous avez fait le choix, vous ne pouvez pas vous retourner contre le catalogue Google, c'est terminé. De la même manière, vous avez donné tel type d'éducation à votre enfant, 10 ans plus tard, c'est trop tard, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et quant à la position de l'enfant, et ça revient un petit peu à une intervention précédente, sur à quel point est-ce que finalement on impose des choses à d'autres enfants, des choses sur lesquelles ils ne pourront pas revenir. Il me semble que là également, en utilisant les techniques dont nous parlons, ou plutôt si un jour nous les utilisons, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, tout cela est strictement, non seulement impossible, mais en plus de ça, interdit, en tout cas par la loi française, n'est-ce pas ? Nous sommes dans la prospective. Mais dans le cas où cela serait possible, chacun se retrouverait devant ses responsabilités. Et c'est ce à quoi appelle le transhumanisme, à la fois à la possibilité du choix et en même temps, au fait d'assumer complètement nos responsabilités individuelles. Merci. Je vais m'autoriser le privilège de la dernière question. Je ne voudrais pas que ce soit perçu non plus comme la synthèse ou la conclusion de votre propos, pas du tout, donc je vous laisserai quand même de toute façon y répondre. De par mon implication dans la bioéthique, je suis obligé à n'avoir aucun tabou. Donc si demain une technique avérée pouvait permettre à la femme enceinte d'avoir un niveau d'activité équivalent à celui de l'homme, ou en tout cas à celui qu'elle souhaiterait avoir en dépit de la grossesse, je pense que je serais le premier à proposer une thématique sur la semaine complète du Forum européen de bioéthique sur ce type de questions. Donc dans ce sens-là, je pense être profondément transhumaniste. Cependant, pour répondre un petit peu à l'écho de Jean-Paul II, je n'ai pas peur du transhumanisme, mais j'ai très peur des transhumanistes, dans le sens où il y a une forme d'amateurisme. Je pense notamment à Elon Musk, qui déploie des milliards et des millions de dollars sur des activités comme Neuralink, où très honnêtement, sur un plan purement scientifique, on est complètement dans quelque chose qui est plus proche du délire que de la réalité. Donc il y a une forme d'amateurisme qui est objectivable. Et je trouve que par contre le transhumanisme est toujours une manière d'offrir un débat très riche. Le transhumanisme, c'est une forme aussi d'exercice de la pensée, c'est-à-dire on va proposer une réflexion sur quelque chose qui n'est pas encore envisageable avec un certain nombre de si dans la question. Mais comme dirait Einstein, tout devrait être le plus simple possible, mais pas trop. Donc vous nous proposez un exercice de la pensée, je vous en propose juste encore un en retour. C'est un exercice de la pensée parmi probablement des milliers qu'on pourrait vous proposer, mais c'est simplement pour éclairer mon propos. Il y a environ 140 millions de naissances par an dans le monde. Environ 270 jours de grossesse, on va dire, ça dépend un peu. Donc ça fait 37 milliards 800 millions de jours de grossesse. Quand on sait que l'énergie nécessaire à la gestation se fait à partir de viande, de légumes, parfois d'une barquette de fraises selon les situations, et que l'on compare ça à l'énergie qui serait nécessaire pour alimenter les systèmes qui permettraient l'exogénèse, à votre avis, combien de dizaines de milliers de centrales nucléaires il faudrait pouvoir implanter de par le monde et sur les 5 continents pour pouvoir réaliser ce type de choses? C'est simplement pour expliquer que, bien entendu, le débat est très intéressant. Permettre à la femme d'avoir moins de contraintes pour la grossesse, d'avoir moins de pathologies de grossesse, c'est extrêmement intéressant. Mais on est tellement éloigné en pratique d'une quelconque forme de réalité que le débat peut en effet paraître un petit peu illusoire par rapport aux questions de bioéthique qui sont traitées actuellement. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ? Alors, merci. C'est cette dernière
Dernière question nécessaire, en effet, le principe de réalité, il ne faut pas l'oublier. Est-ce que quelqu'un veut intervenir particulièrement, Armand ? Oui ? Je veux dire, on a tous un PC chez soi, je pense. Beaucoup, en tout cas. Peut-être qu'un utérus artificiel, même s'il faudrait le laisser brancher pendant 9 mois et lui donner énormément de choses et de nutriments, de choses comme ça à faire. Et pour moi, c'est finalement une énergie qu'on ne prend pas d'un côté pour l'insérer d'un autre côté. Ça paraît un peu fou, mais ça reste de l'ordre du probable et sûrement pas, dans un premier temps, pour toute la population, mais sûrement plus pour une partie très, très réduite. C'est d'autant plus fou si on arrive à comprendre la discordance qu'il y a entre la bioénergie utilisée par la cellule et l'énergie qui serait nécessaire à insuffler dans une machine. On est dans de l'ordre, oui. On est dans un rapport de 10 puissance 10 en termes d'équivalence. Donc on est vraiment, sauf bien entendu révolution majeure dans la découverte des énergies, on est dans quelque chose qui est complètement surréaliste. La question se pose actuellement sur les voitures électriques. C'est-à-dire que si maintenant on voulait développer les voitures électriques de par le monde, ça nécessiterait un apport en énergie qui est largement inférieur à celui que nécessiterait l'exogénèse, par exemple. C'est pour ça que je parlais effectivement des nutriments et autres choses différentes de l'énergie à gérer, bien sûr. Voilà. Armand, tu voulais rajouter une idée ? Non, pas. Je suis tout à fait d'accord avec son propos. Et c'est vrai que la question de l'énergie est aussi une question majeure qui rentre dans les difficultés techniques et scientifiques. Mais c'est pour ça que nous sommes technoprogressistes. On reste dans l'optimisme et on reste dans l'expectative. Il n'y a pas que au niveau des recherches biologiques que cela est envisagé. Il y a des recherches au niveau des nanotechnologies qui effectivement s'orientent vers des nouvelles formes d'énergie. Donc il y a de l'espoir et on reste optimiste. Ouais. La thématique des utérus artificiels telle qu'elle est fantasmée aujourd'hui équivaut à mon sens de remplacer l'utérus naturel par un utérus artificiel qui est de passer d'une machine à une autre. Pour moi, c'est un réductionnisme biologique illusoire et à la rigueur, ces couveuses très perfectionnées telles qu'elles sont en train d'être travaillées dans certains laboratoires, de prendre en charge des grands prématurés, je dirais pourquoi pas, et pour revenir à votre remarque, il ne faut pas oublier la nécessité, c'est René Friedman qui dit qu'on ne peut pas oublier l'importance des contacts humains pour le développement de l'enfant. Donc effectivement, aujourd'hui, à ce stade, c'est un pur exercice de pensée, mais qui révèle de manière très profonde les débats bioéthiques. En fait, on a pu le voir à la fois dans ce que les transhumanistes peuvent dire, mais aussi dans ce que dans les remarques du public. Et en cela, c'est au moins intéressant de mettre la lumière là-dessus. Mais en même temps, donc, la technologie avance. Je veux dire qu'en effet, elle ne soit pas applicable à court terme, et même très probablement, même à moyen terme, ça paraît une évidence. Mais on a vu, par exemple, cette avancée l'année dernière à l'hôpital de Philadelphie. C'est un pas supplémentaire. On ne sait pas du tout, évidemment, si, par exemple, du point de vue énergétique, ce sera réalisable. Mais il me semble qu'il est important de se poser les questions en avant. Enfin, je pense que c'est tout le sens de la réflexion dans laquelle nous sommes engagés et c'est pourquoi ces questions doivent être posées. Marc Roux, vous avez évoqué la question de la responsabilité et dire que si tu l'as commandé sur Google, tu l'assumes. Mais tu l'assumes peut-être, mais le petit, pas forcément. Et moi, j'ai un reproche terrible à mes parents, c'est de ne m'avoir pas appris à jouer au piano. Éducation. Mais rien ne m'empêche de m'y coller et de l'apprendre maintenant. En revanche, si mes parents avaient décidé pour moi d'avoir des oreilles comme ci ou des jambes comme cela, ce ne serait pas réparable. Et cette question de responsabilité qui s'adresse aux parents, alors qu'en fait le bénéficiaire ou le maléficiaire, c'est l'enfant, me pose un problème philosophique, c'est que j'ai une liberté ontologique totale car je suis issu du hasard. Et vous, ce que vous proposez, c'est de mettre fin à cette liberté ontologique et philosophique en injectant dans le hasard un peu d'un déterminisme qui serait choisi par autrui. Est-ce que ça ne vous fait pas un peu peur ? Non, alors, enfin, personnellement, ça ne me fait pas peur.
Nous arrivons ici peut-être bien à la question centrale et la plus difficile, celle qui a sous-tendu, par exemple, le vote par la législation, le corps législatif, de ce qui existe en France, qui est le crime contre l'espèce humaine, hein, qui est sous-tendu pour tout ce type de réflexion-là. C'est-à-dire, est-ce que, comme le pensait par exemple le philosophe allemand Jürgen Habermas, eh bien, il y a un besoin absolu d'une indétermination complète pour que la liberté soit possible, ou bien est-ce qu'il y a possibilité, enfin est-ce qu'on peut se permettre d'intervenir éventuellement à quel degré? La discussion est trop longue pour aujourd'hui, mais je n'ai le temps que de dire que les transhumanistes invitent effectivement à reposer cette question à l'aune des avancées qui ont été faites depuis 20 ans, depuis le débat entre Habermas, Sloterdijk, etc. Et il nous semble qu'il y a des éléments de réflexion, sans doute nouveaux, qui font que ces questions doivent être posées à nouveau frais. Nous faisons de toute manière des choix déterministes, nous semble-t-il, et il me semble que c'est tout à fait important. La manière dont vous avez formulé la chose là maintenant est importante. Ça n'est pas l'alternative entre une détermination absolue et une indétermination absolue. Ce dont il est éventuellement question, c'est de rajouter un petit peu de détermination. Il nous semble que le fait qu'il y ait un peu de détermination, il y en a déjà, et que ce qui est important, c'est de laisser une place importante au hasard. Je ne pense pas que les transhumanistes envisagent de faire disparaître le hasard et l'indétermination, bien au contraire. Donc moi, j'aurais juste rajouté, en fait, François Jacob parlait de l'évolution, il parlait que c'est un mélange d'hasard et de nécessité. Et ça, c'est ce qu'on décrypte et qu'on comprend de mieux en mieux depuis 50, 60 ans. En fait, souvent, quand on croit que les choses sont liées au hasard, c'est qu'on a en fait l'ignorance des causes et donc l'ignorance des déterminations. Et pour prendre votre exemple de vos parents, on sait aujourd'hui qu'il y a une forte probabilité que vos parents ont été attirés l'un par l'autre parce qu'ils avaient des systèmes immunitaires compatibles. Ça, on observe ça dans, c'est une observation que tout le monde peut faire. Tout le monde n'est pas attiré par les mêmes personnes au niveau sexuel et amoureux. Et donc là, en fait, on a des déterminismes, mais le mot déterminisme n'est pas bon. En fait, on a des prédispositions biologiques qui font que on ne va pas se reproduire avec tout le monde ou même pas du tout, etc. Donc il y a des choses que vos parents vous ont léguées biologiquement sur lesquelles, un, vous n'avez pas de prise, et deux, que vous ne pourrez pas changer, sauf à en passer justement à des modifications biologiques que, encore une fois, les transhumanistes proposent et valorisent. Et voilà. Toute dernière peut-être intervention, et il nous faut conclure, je pense, Armand. J'ai aussi peur comme vous. Mais ce dont j'ai plus peur, c'est la conscience humaine en général et la conscience morale en particulier. J'aime bien ça. L'homme est parfois bon, mais c'est la société qui le corrompt aussi des fois. Je veux croire en la conscience morale humaine. C'est pour ça que je suis transhumaniste. Merci Armand. Merci encore de nous avoir invités à nouveau pour continuer à poursuivre ces débats. Je pense qu'on pourrait poursuivre Merci très longtemps. Merci beaucoup pour le débat d'idées. Et puis j'invite tout le monde à revenir à partir de 13h30 pour la suite. Merci encore.